Bonjour à tous et bienvenue sur TV Sevremen. Nous sommes ici dans cette émission Les gens d'ici, c'est-à-dire les gens du vignoble nantais. Et bien entendu, cette émission est enregistrée à l'auberge de la Cantière. Je vous rappelle que cet établissement est route du Landreau, commune de Valette. Alors entre Valette et le Landreau, vous verrez une superbe auberge, c'est la Cantière. Et c'est là le siège de notre émission que nous vous proposons en collaboration avec votre hebdomadaire, l'hebdo de Sevremen. Voilà, tout est dit. Et notre premier invité aujourd'hui, c'est François Guillot, le maire de Gétigné. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors dites-moi, une petite généralité. Lorsqu'on est le maire d'une commune, en 2013, ça devient un petit peu préoccupant parce qu'il faut s'occuper d'un peu tout le monde, non ? Alors, en 2013, mais j'allais dire avant aussi, et après, je crois que la tâche d'un maire est toujours de se préoccuper de ses concitoyens, donc pas davantage en 2013 qu'avant. Tout de même, il y a une petite différence entre ces 10 dernières années, lorsqu'on est maire d'une commune, par rapport à 20 ou 30 ans d'ici, où c'était un petit peu plus cool, disons, non ? Hein ? Ça devient... Vous êtes à la fois assistante sociale, premier magistrat de la commune, financier, bâtisseur, parfois. Alors, tout ça est compliqué, non ? C'est un métier à plein emploi. Alors, c'est un plein emploi, et je crois que tous les maires ne sont pas schizophrènes, mais c'est vrai qu'on est à la fois représentant de l'État, ouais. Non, j'espère que non, ouais. On est à la fois représentant de l'État, et puis représentant de ses concitoyens qui vous ont élus. Alors, ce que vous me dites, je crois que mes prédécesseurs avaient certainement une mission un petit peu différente. Les conditions d'exercice étaient sûrement complètement différentes à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, chacun le constate, on a une réglementation, une norme qui nous tombe un petit peu dessus, un niveau d'exigence qui monte, un niveau d'exigence également de nos concitoyens. Qui aujourd'hui ont des attentes, ce qui est tout à fait normal, mais il faut parfois pouvoir leur expliquer que tout n'est pas possible, ou du moins pas dans la mesure de leurs attentes. Donc on est toujours un petit peu à la croisée des chemins, entre les attentes d'un côté et puis le champ du possible de l'autre, avec toutes les réalités réglementaires, financières, qui rentrent en ligne de compte. Alors, mais ça reste une mission et un challenge excitant que de répondre à ces attentes et puis d'essayer d'être cohérent aussi par rapport à une ligne de conduite et de s'adapter à une réalité effectivement qui politique, économique, réglementaire, qui n'est pas simple. Alors qu'est-ce qui manque dans votre fonction de premier magistrat d'une commune ? Vous avez une grande association qui s'appelle l'Association des maires de France, n'est-ce pas ? Et alors, il semblerait qu'ils se réunissent une fois par an, à Paris en général, et il semblerait qu'ils aient des réclamations. Alors, qu'est-ce qui vous manque à votre fonction de maire pour être tout à fait content ? Alors, je dirais, les maires ne sont pas des insatisfaits. Ils essayent simplement... Pas satisfaits non plus tout le temps. Pas complètement, mais ils essayent simplement, pour l'exercice de leur mission... Et encore une fois, les services qu'on doit apporter à la population, de pouvoir avoir les moyens de mener à bien cette mission, ne pas avoir que des contraintes. Ce qui se décline à l'échelle nationale se décline aussi localement, puisqu'on a une association des maires du vignoble, dont Laurent Dejoie, maire de Vertou, est le président. Et vous buvez des muscadets lors de ces réunions, non ? Dois-je répondre à cette provocation ? C'est une nécessité. C'est une nécessité avec modération. On défend aussi, bien évidemment, les savoir-faire du vignoble. Je me permets aussi de faire une petite publicité pour les Muscadets Tours. Vous savez qu'au sein du pays du vignoble, on a eu une première édition l'année dernière qui va être reconduite au mois d'octobre. Et le président Dobis m'avait confié un petit peu le suivi de ce bel événementiel qui vise à promouvoir le pays du vignoble dans le spectre de tous ses savoirs et de ses savoir-faire. Et donc rendez-vous en octobre prochain, j'espère que vous serez parmi nous. Oui, rendez-vous est pris, François Guillot. Bon, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Qu'est-ce qui vous manque encore ? Quelles sont vos réclamations ou vos revendications ? Alors, il nous manque avant tout du temps. Je ne suis pas le seul à vous le dire. Il nous manque aussi vraisemblablement une clarification des compétences des uns et des autres et des moyens donnés à chaque échelon. Il y a un débat actuel au sein du vignoble, mais
également nationale. On parle d'un millefeuille depuis un certain nombre d'années. Moi, depuis que je suis beaucoup plus jeune et pas encore investi dans cette belle mission, on parlait déjà de la complexité de l'organisation administrative française. Je crois que pour le citoyen, c'est toujours très compliqué entre l'État, le rôle de l'État, le rôle des régions, des départements, de la commune. Mais la commune reste le maillon de proximité, le premier maillon de proximité auquel nos concitoyens s'adressent. Quelle que soit, je dirais, la problématique. Alors, quand vous parliez de maire assistante sociale ou de maire, c'est vrai qu'on va traiter toutes les questions. Et il faut pouvoir expliquer à nos concitoyens que, eh bien, quand on va parler déchets, ce n'est pas la mairie ou la municipalité qui règle cette question-là. Ah oui, parce que... Ça se passe à un autre niveau. Voilà, j'allais vous dire... Et là, ça devient plus complexe à expliquer. Mais oui, j'allais vous dire, moi, je vais marcher dans votre commune à Gétigné, sur un trottoir, je me foule un pied, je vous fais un procès, moi, directement. Et j'ai des chances de gagner, je crois, non ? Alors... Hein ? Vous n'avez pas forcément raison de me faire un procès, peut en discuter. Non, mais je vous en ferai un quand même, je me foule le pied. Non, mais la responsabilité est grande, évidemment, dans l'entretien de la voirie, dans les bâtiments publics. Ça, c'est une responsabilité que les élus assument. Encore faut-il qu'ils aient les moyens de mettre à niveau ou de faire le nécessaire, qui s'étale forcément dans un plan pluriannuel, à la fois d'investissement et de hiérarchisation des choses, parce que tout ne peut pas se faire à un instant. On ne peut pas tout corriger non plus instantanément. Donc il faut déterminer des priorités. Ça fait partie des priorités que d'offrir une certaine sécurité dans la mobilité de nos administrés, bien sûr. Bon. Je voudrais qu'on parle un instant, François Guillot, de l'intercommunalité. Et il se passe des choses tout de même depuis quelques années dans ce pays. Vous avez, en République en tout cas, bon, admettons que nous soyons républicains, ce qui n'est pas impossible. Bon. Ce qui n'est pas impossible. Alors, la République, c'était l'Assemblée nationale, le département, la commune. À ça se sont ajoutées la région, les communautés de communes, les syndicats de communes, les intercommunalités, peut-être les pays demain. On s'y retrouve plus tellement en tant que citoyen républicain. On est d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis complètement d'accord avec vous. Aujourd'hui, ce millefeuille est une réalité. Oui. On ne sait plus qui fait quoi. Enfin, pour le concitoyen, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de clarifier ça. Il y a eu des tentatives. Je pense que le conseiller territorial, avec l'idée de regrouper les élus du département et de la région, avec des représentants des conseillers territoriaux, qui étaient représentants de leur territoire, c'était peut-être un début de piste. On allait vers quelque chose sur lequel on pouvait avancer. Bon, ça a été remis à la réflexion. Et aujourd'hui, on continue à avancer, mais je ne vois pas la diminution de ce millefeuille. Alors, effectivement, il y a une réflexion permanente au sein des élus, au sein des instances, sur... une simplification des choses. Moi, je crois que le concitoyen, il attend toujours de la proximité, il attend toujours de l'efficacité dans les services qu'on lui apporte, et puis au meilleur coût pour la collectivité, parce que le contribuable que vous êtes et moi-même est toujours attentif à sa feuille d'impôt. Est-ce qu'aujourd'hui, les réflexions qui sont menées répondent à cet objectif ? Ça doit y répondre, évidemment. Après, je pense qu'il a été démontré qu'on a intérêt à travailler en commun sur un certain nombre de projets ou sur un certain nombre de services à la population qui ne peuvent pas se régler à l'échelon local. Quelle est votre position personnelle là-dessus, sur cette future possible, éventuelle, on ne sait pas où on en est trop d'ailleurs, réforme des collectivités territoriales? Alors, on parle de la réforme des collectivités ou du rapprochement, au sein du vignoble. Alors, c'est lié parce qu'on est dans la même réflexion. Oui. Encore une fois, je pense que c'est à la fois un mouvement inéluctable, inévitable, nécessaire, que de travailler en commun, à condition qu'on apporte toujours la même qualité de service, la proximité et l'économie d'échelle. Je ne suis pas certain qu'on arrive à ça, parce que l'intercommunalité a offert de belles réussites. Je crois qu'on a des exemples en Vallée de Clisson, où je suis vice-président, et puis aussi à l'échelle du vignoble. Le seul vice que vous permettez, d'ailleurs. Je vous autorise, à me faire ce compliment. Mais en revanche, encore une fois, il n'est pas garanti qu'à nous regrouper sans régler toutes les questions de gouvernance, de fiscalité,
de services, de compétences. Il faudra bien qu'il y ait des échelons qui sautent, entre guillemets, excusez-moi. On est d'accord. Alors, est-ce que ça va être la région? Sûrement pas. Est-ce que ça va être le département? Espérons que non, parce que tout de même, la République, c'est la nation, le département et la commune. À l'origine, c'était ça. On est d'accord. Est-ce que la région, c'est vraiment républicain? Oui, vous allez me dire. C'est une création artificielle. Après, c'est le pragmatisme qui devra, je pense, être au rendez-vous. Donc, sans être nostalgique, on ne refait pas l'histoire. Il faudra trouver demain les échelons pertinents d'efficacité. Tout ça doit être le moins artificiel possible. Quoi qu'il arrive, il faudra supprimer des échelons. Voilà. Il faudra qu'il y ait plus de transparence, une lecture beaucoup plus simple des échelons. Je crois que la commune restera un maillon fort dans cet échelon de proximité. Après, je ne veux pas ouvrir un débat entre département et région. Je vous ai dit que le conseiller territorial qui représentait son territoire... Ça, c'est dans l'avenir, ça. Hein, pour le moment, c'est dans le passé. Pour le moment, c'est dans le passé. Très bien. Mais oui, c'est dans le passé. Mais qui n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. Bien, d'accord. Mais c'était une idée intéressante. Oui. À mon avis, on aurait pu travailler sur cette idée. Mais il faudra, à l'avenir, inévitablement, réduire les échelons. Oui. Puisque chaque échelon engendre une structure, des personnels. C'est des questions essentielles. Il s'agit de rassurer sur les ressources humaines, sur les ressources financières. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde. Donc, c'est un peu l'inconvénient de l'intercommunalité, de ces différents réseaux. C'est à chaque fois de recréer une structure et les personnels ad hoc qui pourraient fonctionner différemment. Donc, d'accord. Je crois que quand on est élu, il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Vous êtes plutôt région ou plutôt département ? C'est une question qui n'est pas simple. Je pense que c'est la réponse qui n'est pas simple, je crois. Hein? C'est la réponse qui n'est pas simple. Voilà. Je crois que la région est un échelon intéressant à l'échelle de l'Europe. Le département est pertinent à l'échelle historique. Vous savez, c'était d'être à une journée de cheval. Voilà. Aujourd'hui, on ne se déplace plus à cheval. Voilà, économiquement, la région est sûrement un échelon pertinent. C'est mon sentiment. Voilà. Donc plutôt région. Plutôt région que département. Plutôt région que département, mais bon. Le département, on y est tous attachés. Eh bien écoutez, merci François Guillot de toutes ces explications. Je pense qu'elles étaient nécessaires parce qu'on parfois on n'y comprend pas tout à fait grand chose dans ces histoires de collectivités locales et de ces pouvoirs décentralisateurs, paraît-il. Et j'en aurais terminé. Je regarde notre confrère l'hebdo de Sèvres et Maine. Vous préparez un grand meeting aérien dans votre commune. Ça a l'air sympathique, ça. Rendez-vous début juillet. Effectivement, voilà. On a la chance d'avoir un club d'aéromodélisme. Oui. C'est une particularité, puisqu'on on n'en trouve pas partout. Ils organisent depuis quelques années des meetings. Et donc, le 6 et 7 juillet. Le premier week-end de juillet, donc rendez-vous à Gétigné sur la piste d'aéromodélisme pour un grand show. Oui, parce qu'on va retrouver la bataille de Berlin. On va retrouver... La bataille de Berlin, aérienne. Bien entendu, pas maritime, surtout pas avec un meeting aérien, mais... Et donc, ça va être quelque chose d'historique, intéressant. D'historique, d'intéressant, sur les matériels utilisés également. Et puis, on attend plusieurs milliers de personnes. Puis, comme c'est la mode du couple franco-allemand, ça va bien tomber, la bataille de Berlin. Voilà un rapprochement auquel les organisateurs n'avaient peut-être pas pensé, qui est fort sympathique. Et puis, la semaine suivante, vous avez les feux de Gétigné, traditionnels, mais qui, là aussi, avec... un peu d'animation musicale, donc un rendez-vous aussi incontournable pour les Gétinois et plus largement le sud du vignoble, le Clissonnais, voilà. Et puis les Vendéens, les habitants des Mauges, parce que avec des gens d'ici, parce on a cette chance-là de vivre quand même sur un territoire où on est assez heureux d'y vivre. On est dans un cadre privilégié au milieu des vignes. C'est une chance. D'accord. Pourvu que ça dure. Merci François Guillot. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Notre autre invité pour cette émission, c'est Jean-Marie Girard. Alors Jean-Marie Girard, attention, ça n'est pas n'importe qui. C'est l'homme qui s'occupe de la communication dans l'ordre des chevaliers bretvins, un ordre
internationalement connu, c'est bien ça Jean-Marie Girard, dans le vignoble. Alors, petit historique de cette confrérie, car c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, ce n'est pas une confrérie, c'est un ordre alors, de chevalerie. Alors, c'est pas comme ça qu'on l'appelle. C'est un ordre de chevalerie, on va dire confrérie c'est, si on le veut, mais c'est plutôt oui. Un ordre de chevalerie. Très bien. Ce qui explique que cet ordre fut pendant 60 et quelques années exclusivement masculin. L'explication est là. Et vous le savez que depuis 2009, des dames de la duchesse Anne font maintenant partie de l'ordre des chevaliers Brédevin. Donc voilà. C'est devenu mixte, votre affaire, là. C'est devenu mixte, et puis je pense que c'est un petit peu aussi à l'image de notre société, où la femme prend de plus en plus d'initiatives, de part dans les entreprises. Je pense un petit peu au vignoble, où les dames sont quand même très compétentes et sont là aussi pour accueillir les clients dans les caves, etc. Je pense aussi, je fais un petit aparté, mais je reviendrai bien sûr sur l'historique de l'ordre des chevaliers Brédevin. Je pense au prix Clémence, qui n'est composé que de dames et qui apporte énormément sur le plan économique au niveau de notre région. La parité, quoi. La parité. Nous allons vers la parité, là aussi, comme dans d'autres domaines. Ouais. Bon, c'est très bien. Alors, un petit historique alors, de cette... L'ordre des chevaliers Brédevin a été créé en 1948 à l'initiative de personnalités nantaises et de personnalités du vignoble. Hein, il y a toujours eu ce lien entre Nantes et le vignoble. Le siège à l'époque était au château des Ducs pendant très longtemps. Pardonnez-moi, je n'ai pas les dates exactes pour vous dire à quel moment le château des Ducs a été non pas abandonné, mais du moins où le transfert de siège social s'est fait maintenant au château de Goulaine, dans la tour des archives. Et depuis donc 60 et quelques années, l'ordre maintenant a 3000, a intronisé 3000 personnes. 3000 personnes. Plus de 3000 personnes. La 3000e, c'était à Rungis, au mois d'octobre. Mmh. Voilà. Je vous l'ai dit aussi, donc une trentaine de dames de la duchesse Anne. Donc il faudra un petit peu de temps pour que la parité soit effective. Ça fait 1% ça à peu près. Ça fait 1%, mais bon... Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Moi je trouve excellent que les dames fassent partie de l'ordre des chevaliers Brédevin. Surtout si elles sont jolies. En plus. Ce qui ne gâte rien. Alors quelles sont vos activités, Jean-Marie Girard? Parce que j'imagine que cet ordre a beaucoup d'activités, d'animations et de projets. Alors si on se réfère au statut de l'ordre, la première mission, c'est de promouvoir le pays nantais. J'allais dire sous toutes ses formes. On pense beaucoup au muscadet, mais je pense aussi qu'il y a des tas de produits qui pourraient être défendus. Je pense au muguet, je pense à la mâche, je pense à la biscuiterie, etc. Et les Brédevins se font un devoir d'être présents, autant que faire se peut, partout où il y a cette promotion du pays nantais. Alors nous avons nous-mêmes nos propres activités statutaires, c'est-à-dire 4 grandes manifestations dans l'année. Je peux peut-être les citer rapidement. On va dire une manifestation religieuse qui est la Saint-Vincent, qui a lieu donc le troisième dimanche de janvier. Une manifestation peut-être plus économique en partenariat avec Expoval. Oui. Je rappelle que la foire de Valette a été créée en 1949 et depuis cette date-là, tous les ans, l'Ordre des Chevaliers Brédevin participe à Expoval maintenant. Une fête un petit peu familiale qui aura lieu, j'en profite pour l'annoncer, le 16 juin à la Romaudière. La Romaudière qui verra pour la première fois l'Ordre des Chevaliers Brédevin participer dans cette commune où il n'y a que 5 viticulteurs. Et puis, une autre manifestation dont je ne peux pas donner la date aujourd'hui, qui s'appelle la Bouteille d'Or, qui récompense la commune et surtout les viticulteurs qui ont obtenu le plus de médailles au concours des vins de Paris et de Nantes. Voilà, si je comprends bien, il y a quand même une connotation un peu gastronomique dans cet ordre. Très gastronomique, oui. Vous parlez de mâche, de vin, et de biscuits, des choses comme ça. C'est ce qui fait peut-être la renommée aussi de notre vignoble. Hein.
Et alors, je vous disais, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, comment dire, que l'ordre des chevaliers Brédevin était international, et c'est vrai, puisque petit à petit se sont créés des bailliages. Dans notre jargon, ce sont des bailliages. Et nous avons 14 bailliages, alors qui fonctionnent plus ou moins bien, mais c'est bon, c'est pas toujours facile. Donc, nous en avons 3 ou 4 au Royaume-Uni. Nous avons 3 bailliages en Allemagne, un en Italie, un autre au Luxembourg, la Belgique, et je n'oublierai pas la Floride qu'on essaie de relancer, Jacksonville, pour ne pas citer cette ville. Alors votre ordre, pardon Jean-Marie Girard, eh bien, exige aussi une certaine tenue particulière. Permettez-moi de... Mais on voit à la caméra, voilà, c'est le sigle de votre ordre. Et puis donc, explication un petit peu de ça. Je reconnais une grappe de raisin tout de même. Là. Ben voilà. Ouais. Je pense que c'est peut-être un petit peu le lien, les vins. J'allais dire peut-être plus le muscadet que d'autres vins, mais bon, avec tout le respect que j'ai avec les autres vins qui sont produits, parce que tout est noble dans le vignoble. Et c'est vrai que nous avons des tenues, bon, ça fait un petit peu folklorique, mais un ordre de chevalerie, c'est ça. Hein. Donc, vous avez au départ, si on veut regarder un petit peu les couleurs, le chevalier qui vient d'être intronisé et dont vous faites partie, est de couleur verte, un habit d'éparement plutôt vert. Moi, si je suis en rouge, c'est que je fais partie du conseil... supérieur, en fait. Non, on ne va pas dire comme ça, mais il faut bien quand même des gens qui fassent... Hiérarchiquement, le rouge prime sur le vert. Voilà, exactement. Bon, on va dire comme ça. Et puis, il y a d'autres couleurs. Bon, ce serait peut-être un petit fastidieux de toutes les citer. Bon. Et pour les découvrir, j'en profite en tant que responsable de la communication, n'hésitez pas à aller sur notre site www.bredevin.com où vous aurez toutes les explications nécessaires sur la vie de notre ordre. Est-ce que vous recrutez ? Et si vous recrutez, comment ? Le recrutement se fait par parrainage. Hein, j'allais dire, prenons l'exemple de la Romaudière dans un mois, eh bien, on va en profiter pour introniser monsieur le maire qui n'est pas encore Brédevin, des viticulteurs, peut-être des dames, j'avoue que je n'ai pas encore la composition de la liste des futurs impétrants, mais on prend les gens là où on est au moment de la manifestation. Voilà. Hein. Donc c'est du cooptage, hein, donc il faut être présenté par un. Mais il n'est pas nécessaire d'être viticulteur, il n'est pas nécessaire d'être industriel. Ni maire. Voilà. Moi, je peux vous dire que, je prends mon exemple personnel, si j'étais intronisé, c'est que à l'époque, il y a 20 ans, j'étais président de la Douille du Muscadet. Je travaillais dans une caisse de retraite, donc rien qui ne me prédisposait, à être chevalier de Brédevin. Voilà. Mais l'occasion a fait le larron. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Jean-Marie Girard, je rappelle... pour l'ordre des chevaliers Brédevin. Merci. Merci. Autre invité à nouveau dans notre émission d'aujourd'hui, de ce jour, eh bien Bruno Piquet. Alors personnage Bruno Piquet, tout à fait original, puisque personne n'est parfait. Nous sommes en présence d'un ancien commissaire de police de titre de divisionnaire tout de même, c'est pas n'importe quoi. Et puis ce commissaire divisionnaire, eh bien pour se dépiquer un peu au moment de sa retraite, a décidé de changer son automatique pour une plume et nous propose L'enfant trouvé dans un panier. Je fais voir à la caméra ce superbe livre, L'enfant trouvé dans un panier, qui est le premier récit et le premier livre de Bruno Piquet. Alors, j'ajoute, petit détail, que L'enfant trouvé dans un panier, c'est non seulement un livre, mais ce sont deux livres. Alors, Bruno Piquet, bonjour tout d'abord, mais deux livres pour un enfant trouvé dans un panier, c'est un grand panier alors, hein ? Oui, monsieur Venezon, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, la plume, elle n'est pas tout à fait nouvelle, puisque les attributs de la fonction du commissaire de police, c'est la plume et l'épée. Mais beaucoup la plume, vous voyez rarement avec une épée. Oui, c'est vrai. Alors, le panier, ben, c'est une très bonne question, et je vous remercie de l'avoir posée. L'enfant trouvé dans un panier, c'est mon ancêtre, un aïeul maternel, qui a été découvert
abandonné sous l'ère de Luçon en 1827. En Vendée, Luçon en Vendée. À Luçon en Vendée, bien sûr. Et donc, c'est une partie de l'histoire, c'est une partie du livre, mais c'est loin d'être tout le livre, qui d'ailleurs, quoi, il dit, c'est un gros livre, il y a deux volumes, et il fait 800 pages. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire ça? C'est des souvenirs d'enfance et de jeunesse, comme disait Renan, pour faire comme lui, ou parce que ça vous met à cœur à ce point-là, non? Oui, souvenirs d'enfance, mais pas que, parce que tous mes frères et sœurs, nous en parlons souvent, notre enfance a été quelque chose de très agréable, pas forcément facile, mais extrêmement agréable, et bon, qui dit enfance dit ancêtre, et qui dit ancêtre dit généalogie. Il y a forcément une filière à suivre dans ce cas. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes allé faire dans la police? Parce que moi, j'ai lu vos bouquins. Et, bon, c'est écrit par son auteur. C'est bien de plus en plus rare que les gens qui ont leur nom sur une couverture de livre écrivent leur livre. Il y en a 8 sur 10 qui les écrivent pas, entre parenthèses. C'est la statistique officielle. Alors, qu'est-ce qui vous a pris d'aller vous égarer dans la police alors que vous avez, ma foi, un petit talent sympathique? Vous auriez peut-être dû commencer par là. Vous êtes très indulgent, mais oui, le commissaire de police n'est pas quelqu'un qui manie du soir au matin un revolver, comme on le voit dans les feuilletons de télévision. Non, c'est quelqu'un qui écrit. J'ai parlé de la plume tout à l'heure. Oui. Donc, le commissaire de police écrit toujours. J'ai énormément de collègues qui sont, j'ose pas dire écrivains, parce que je réserve ça à Victor Hugo, mais qui sont auteurs. Et puis, par ailleurs, vous l'avez omis dans mon CV, de dire que j'avais été juge de proximité. Oui. J'ai arrêté l'année dernière, et bien j'ai été 7 ans juge de proximité, et là encore, j'ai réappris à écrire. Vous avez fait des métiers extraordinaires, policier, juge, n'a pas été prêtre, non. Non, mais j'y songerai dans une prochaine vie, peut-être. Hein, mais comme vous le savez, Camus disait que le policier est au centre des choses. Oui, il est au centre des choses, et il faut aussi qu'il en rende compte. Alors moi, j'essaie de me placer au centre de la généalogie, justement. C'est la vie de mes ancêtres qui me sert de squelette. Et à partir de ce squelette, je vais à droite, je vais à gauche, je les regarde vivre. C'est-à-dire que je chausse leurs sabots, je mets les lunettes qu'ils n'avaient pas, et je vois comment vivaient leurs contemporains. Contemporains de cette époque, mais aussi les contemporains d'aujourd'hui, car l'histoire se prolonge jusqu'à des faits de société que nous vivons actuellement. Oui, je dois dire que, tout à fait objectivement, ces deux livres, L'enfant trouvé dans un panier, sont tout à fait plaisants, sympathiques, et puis c'est un peu pétillant, inattendu, je dirais, de la part d'un fonctionnaire de notre police nationale préférée. C'est un peu inattendu. Enfin, vous n'êtes pas le seul dans la profession à écrire des livres. Alors qu'est-ce qui fait que les policiers se mettent comme ça à écrire? Qu'est-ce qui leur prend? Comme je vous l'ai dit, les policiers sont des gens de plumes. Et c'est pas forcément une évidence pour le... Plus que de poils. Bon, je vous laisse la paternité de cette observation. Et puis, comme ils voient des choses un peu hors normes quand même, eh bien, ils rendent compte. Mais là, il s'agit plutôt d'aller plonger dans le passé de nos ancêtres. Voilà. Et puis alors, l'essai, le livre, ça se passe dans la région, il faut bien le dire, Vendée, Loire-Atlantique, et dans toutes nos communes, justement, aussi du vignoble nantais, et parmi les gens d'ici, c'est donc tout à fait en adéquation avec notre émission. Un projet pour une appliquer, peut-être? Oui, je viens de terminer un recueil de nouvelles, parce que je ne connaissais pas Delerme, mais j'ai lu les premières gorgées de bière et autres plaisirs minuscules. J'ai trouvé ça très intéressant, difficile aussi, donc je me suis lancé là-dedans. Et autrement, j'ai un roman qui est en chantier, on va dire qu'on est à mi-hauteur de la construction, et qui ne sera pas un roman policier, mais un roman qui parle beaucoup de la police, qui est très autobiographique également. Oui. Alors j'appelle ça très prétentieusement un roman social. Eh bien, écoutez, bonne chance dans votre quête littéraire. Évidemment, on peut trouver L'enfant trouvé dans un panier dans toutes les bonnes librairies. Mais aussi, Bruno Piquet, vous avez une adresse où l'on peut se procurer. Dans toutes les bonnes librairies, selon la formule consacrée. Et également sur mon blog qui s'appelle Le Cablogramme. Il suffit de taper dans un moteur de recherche le cablogramme et on tombe directement sur mon site avec des moyens de paiement, les moyens de paiement habituels. Mais ça, oui, voilà. Notre autre invité, Alain Pasquet. Alors là, nous allons changer de registre, puisqu'il va s'agir de musique, il va s'agir principalement d'ailleurs de jazz. Bonjour Alain Pasquet. Bonjour. Alors, je sais que vous êtes enseignant de musique, que vous êtes
un joueur de trompette, que vous aimez le jazz et que là-dessus vous vous produisez assez souvent en concert précisément de jazz. Alors quelle partie de jazz préférez-vous ? Vous savez qu'il y a les trois grandes parties, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, le classique, le middle et le moderne. Donc moi j'ai une grande étiquette depuis pas mal d'années sur le jazz traditionnel, classique. Voilà, oui. Donc effectivement je joue très très souvent du jazz Nouvelle-Orléans, le jazz middle, et également un petit peu de jazz un petit peu plus moderne. Mais je me suis arrêté quand même... Voilà, vous restez dans les canons du classique, quoi. Voilà, dans les canons du classique. Dès qu'on arrive dans le free jazz et ces choses-là... C'est pas tellement mon circuit, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on va profiter que vous êtes ici à l'antenne de TV Sèvres-et-Maine pour annoncer vos futures prestations. Je sais que vendredi 24 mai, vous êtes en Vendée au Poiré sur Vie. Je sais que le 1er juin, c'est la semaine qui suit, vous êtes, si je ne me trompe, à la Genétous, qui est une... commune internationalement connue aussi, et puis après à La Roche-sur-Yon, et puis après aux Herbiers, de nouveau en Vendée, et puis après à Châteauroux, et après de nouveau à La Roche-sur-Yon. Ça fait un joli programme à venir pour tous ces mois qui viennent, non ? Oui, bah c'est le groupe West End Blue qui se produit dans ces différents endroits, et c'est vrai que... West End Blue, c'est un petit clin d'œil à un célèbre morceau qui s'appelait West End, comme la fin, Blue, alors que vous, c'est West End, et en anglais, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, alors le titre, c'est un titre de Louis Armstrong, c'est West End Blues. Effectivement, c'est un titre très connu, qui a servi d'ailleurs d'indicatif pour une émission de télé pendant un certain temps. Tout à fait, oui. Il y a une introduction célèbre, très très connue, et un chorus de Louis Armstrong qui effectivement a marqué un petit peu les oreilles de beaucoup de personnes. Vous êtes trompettiste, Alain Pasquier, quel est votre trompettiste de jazz préféré? Alors, il faut me donner un nom, je sais bien. À chaque fois, vous me répondez toujours, je les aime tous. C'est bon consensus, mais il faut s'en sortir, quoi. Alors, je joue énormément de jazz traditionnel, comme vous disiez, jazz Nouvelle-Orléans. Donc Armstrong, ça reste la référence dans ce style-là. Mais mon trompettiste préféré, c'est tout de même Chet Baker. Chet Baker. Bien écoutez, merci Alain Pasquier. Je crois que le mieux maintenant, c'est de vous laisser comme ça, tout seul, sans accompagnement, pour TV Sèvres-et-Maine et nos téléspectateurs nous offrir un petit morceau de votre talent à la trompette. On vous écoute. D'accord, je vais vous faire un morceau qui s'intitule « Do you know what it means ?» Eh oui. « What it means to miss New Orleans ?» Voilà, pour rencontrer la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est une espèce d'évocation, de nostalgie de la Nouvelle-Orléans, qui est le berceau du jazz. En fait. Alors, en route pour la Nouvelle-Orléans. On écoute Alain Pasquier. Thank you.
Merci, merci beaucoup. Il nous reste à nous séparer avec nos téléspectateurs. Et je vous rappelle que nous sommes ici en train d'enregistrer notre émission à l'auberge de la Cantière, à Valette, route de Landreau. C'est tout de suite à droite quand on sort. Et il y a des grillades fabuleuses. À bientôt. Merci de votre attention.